éclairci dans le ciel assombri de l'étoile filante de Ouagadougou. La reine des stars s'est donnée de l'air devant Kozaf. Pendant ce temps, le centaure se faisait cueillir par Majestic après 4 victoires d'affilée. Bonne opération aussi pour Raïmo FC, l'USFA et le RCK. Le point complet de la 19e journée, suivi du débrief dans quelques instants. Elles reviennent et entachent le fair play dans le sport. Les violences sont une réalité. Il faut en finir avec. La FBF et ses partenaires se sont rencontrés. Ont-ils réussi à accorder les violons? Rendez-vous tout à l'heure. Fin de la phase aller en beauté pour l'USFA et l'AS Sonabet dans le championnat de la Ligue du centre de handball à senior hommes. Ils ont piégé leurs adversaires respectifs, l'USK et l'AS Douane. Chez les dames, ce sont l'AS Fayeninga et l'AS Douane qui se sont coulées douces. Messi en or, Cristiano en plomb. Le Barça a profité de la meilleure forme physique du Real due aux prolongations des quarts de finale de la Ligue des Champions pour s'offrir le 234e Classico au nez et à la barbe des Madrilènes à Santiago Bernabéu. Messi inscrivant au passage son 500e but, tour d'horizon des stades européens en fin de magazine. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir et toutes nos excuses pour ce retard au démarrage. Le temps filant de Ouagadougou se remet dans le sens de la marche après sa chute devant le Santos. La reine des stades a repris des couleurs ce week-end pour cette 19e journée. L'effort ne s'est pas loupé. Elle est repartie du stade Youssoufou Joseph Konombo avec le gain de la rencontre. Les Blancs-Bleus ont écœuré Kozaf sur la plus petite des marches, 1-0. Jean-Eudes Bayala, Lassina Sawadougou. Il y a des matchs où le seul objectif reste et demeure la victoire. Pour la manière, il faut attendre. Après notre défaite de la semaine dernière, il fallait rebondir, quelle que soit la manière. Et si vous avez remarqué, peut-être que c'est l'un des plus mauvais matchs que nous avons livré ce soir-là. Une semaine après la déconvenue face au Santos FC, l'état filant de Ouagadougou avait besoin de se remettre en selle. La semaine, au camp d'entraînement, n'a pas été de tout repos. Durant la semaine après la défaite, on a bossé dur. Donc ça s'est ressenti aujourd'hui sur le terrain. Les jeux étaient un peu lourds. On n'arrivait pas à se retrouver. Et puis, il faut dire aussi qu'on a croisé quand même une jeune et volontaire équipe de Kozaf qui nous ont posé pas mal de problèmes. Ils se sont bien battus, ils se sont bien défendus. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils sont dans la zone rouge. Face à Kozaf, le sauveur d'Estelis était transfuge du club sang et or. Kassoum Doumbia, à la 26e minute, délivre les bleus et blancs. Un but qui vient contre le cours du jeu, puisque Kozaf, une fois de plus, a la maîtrise du ballon. Et rien que la maîtrise du cuir. L'efficacité a fui la maison et la ligne rouge menace les académiciens. On cherche nos marques depuis plus de 19 journées. C'est compliqué maintenant. Et on savait que bon, ça allait être un match très dur, parce que l'effort aussi venait d'une défaite. Et vu en tout cas la physionomie du match, on méritait quand même le nul. Jeunesse et inexpérience se conjuguent chez les sang et or, mais l'espoir reste permis. On est un centre de formation, on gagne au moins 6 occasions, 7. On n'arrive même pas à marquer un but, bon, c'est pas, il faut se remettre en cause. Il faut que les entraîneurs se remettent en cause, particulièrement nous à Kozaf. Il faut qu'on se remette en cause, sinon vraiment, ça ne va pas. À l'effort, le prochain rendez-vous à huis clos, conséquence du comportement antisportif des supporters, sera particulier. On doit jouer à huis clos, mais je dirais que les supporters vont nous manquer, même si par moments ils sont un peu difficiles. Voilà. C'est à cause de nous, ils ont fait la bagarre, ils se sont emportés face à l'arbitre. Donc moi ce que je vais dire, ils n'ont qu'à rester sereins, nous on fera tout pour gagner ce match, le match prochain, pour quand même pour les permettre de revenir au stade. Tout joyeux. C'est ce qu'ils aiment. Ils aiment des victoires. Bon, c'est vrai que peut-être qu'ils sont mal comportés, mais ils n'ont qu'à rester sereins, tranquilles. Et le fair play doit toujours prévaloir pour que le sport puisse aller de l'avant. Le fair play, certes, mais connaître son équipe, ses forces et ses faiblesses et accepter de se regarder en face doivent être les maîtres mots dans la grande famille bleu et blanc. L'effort à gagner. Et tout s'est bien passé.
Joseph Konombo, score paritaire au stade Wobi de Bobo-Dioulasso dans le derby AGEB ASFP. Les deux clubs se sont quittés dos à dos, un but partout. Drissa Traoré, Bernard Bayala. Oscar Barreau suspendu, l'ASFP se présente à ce derby bobolais sans son technicien. Mais de la technique, il y en a sur le terrain. Après un quart d'heure de jeu, les fonctionnaires donnent le ton. À la 16e minute, Antoine Kofi, d'un exploit hors norme, envoie la balle au fond des filets. C'est l'ouverture du score. ASFB 1 à AGEB 0. L'AGEB, poussé par son deuxième joueur, tente de revenir au score. Le fonctionnaire résiste et l'intensité monte. À la 40e minute, les jeunes espoirs de Bobo obtiennent un coup franc. Ilias Savadogo, sans hésiter, remet la pendule à l'heure. AGEB 1 à ASFB 1. Un but partout, c'est aussi le score à la pause. Au retour des vestiaires, les deux équipes poussent de part et d'autre, mais aucune ne trouve de nouveau la faille pour se mettre à l'abri. L'AGEB, réduite à 10, en fin de match, subit la force de feu des fonctionnaires qui ne cèdent pas. Malgré les différentes tentatives de chaque bord, le score reste inchangé 1-1 entre les fonctionnaires et les jeunes espoirs au coup de sifflet final. Prochaine journée, l'ASFB aura sur ses installations l'AS Sonabel. L'AGEB, quant à elle, se déplace à Ouagadougou pour jouer le COSAF. Rouge, le BPS de Koudoukou, le premier à pousser les grenouilles bleues vers le fond en prenant le dessus sur eux, un but à 0. Retour à Ouaga en match avancé vendredi soir, le RCK n'a rien perdu de sa superbe, du moins sur le plan national. Après son échec dans le tour de cadrage, le leader s'est bien signalé. Les Faucons ont survolé les Rouges et Blancs de l'Allée 3 buts à 0. C'était en deuxième opposition au stade du Katou de Ouagadougou. Issaka Ouedraogo, Mamadi Wina. Le score, c'est 3 buts à 1 du moins. 4 matchs sans victoire. Une éternité pour le RCK dans l'obligation de renouer avec la victoire pour être en phase avec ses objectifs. Vous savez que nous venons de deux matchs difficiles où nous avons perdu à domicile et à l'extérieur. Deux défaites donc et deux matchs nuls en championnat. C'était le résultat avant ce match-là que le RCK traînait. Et j'ai dit non, il faut qu'on se révolte, il faut qu'on simplement on renoue avec la victoire. L'ISO n'était pas a priori l'adversaire indiqué pour se remettre en selle. Mais rien ne semble résister au RCK du moins dans le face au foot. Dès la 27e minute, Sidiki Traoré ouvre le score pour les Faucons. L'Uzo répond à la 35e minute par cette frappe de Ridouanou Maïga sur la transversale. L'arbitre central Boukari Ouedraogo laisse le jeu se poursuivre avec juste raison, car la balle n'a pas franchi la ligne de but. La pression de l'Uzo s'accentue, mais le RCK desserre le train dans les arrêts de jeu. Un but de la tête de Alex Assamoa qui permet au RCK de rentrer au vestiaire avec une avance de 2-0. L'Uzo revient en seconde période avec des ambitions de jeu. Et à la 49e minute, Assami Barry de la tête bat Aboubakar Sawadogo. Sur le coup, le capitaine du RCK n'est pas exempt de tout reproche. Ce but donne plus d'entrain à l'attaque de l'Uzo, mais le RCK revient encore dans le match à la 75e minute. Mohamed Sylla marque le troisième but de Faucons, les Aigres de l'Allée s'incline sur ce score de 3 buts à 1. On perd 3 points. Vraiment, c'est une parole très amère. Moi, je pense que au vu de ce match, on n'a pas trop à rougir, mais on a envie d'être déçu, très déçu. Parce que là, 3 buts, 3 coups de pied arrêtés, 3 buts. Ça veut dire déjà il y a un manque de concentration, un manque d'engagement dans ce qu'on fait déjà. Je crois que en termes de capacité et technique et en qualité, il faut revoir beaucoup de choses. Le RCK, avec cette victoire, consolide sa position de leader avec 41 points et 2 matchs en retard. Suffisant pour passer une saison tranquille, pas si sûr pour Kamou Malo, qui doit faire avec les attaques à répétition de certains supporters qui en veulent sûrement au coach des Faucons. Vendredi, toujours, mais à Banfora, l'USFA n'y était pas un touriste. Les militaires ont fait mordre la poussière du stade municipal. Au loco, l'USCO s'est incliné. Un but à 2. Karim Ilboudo, Bernard Bayala. L'USCO, USFA, deux équipes au destin divergent qui se croisent pour cette 19e journée à Banfora. Si l'USCO lutte pour ne pas se retrouver en 2-2,
L'ISFA poursuit le RCK, le leader. Dès l'entame, l'ISFA met une stratégie d'étouffer l'adversaire. Et déjà à la deuxième minute, c'est Salam Kangambega qui ouvre le score pour les militaires. Dans cette dynamique, l'ISFA, qui empêche l'adversaire de déployer son jeu, va aggraver le score par le même Salam Kangambega et nous jouons la 39e minute. Mi-temps, 2-0 pour les militaires. À la mi-temps, Hubert Zougo, l'entraîneur de Banfora, remonte les bretelles de ses garçons. Coaching payant jusqu'à la 46e minute. Bisco réduit le score par Stéphane Yao. Les Banforais qui continuent d'accueillir les militaires qui, conséquence, le capitaine Saïbou Traoré de l'ISFA écope d'un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. À 10, l'ISFA subit davantage et nudité, la vigilance, la défense militaire. Ce but égalisateur n'est pas loin ici à la 83e minute. Mais en bon militaire, les joueurs de l'ISFA conservent leur avantage de 2-1 à la fin de la partie. Quand vous menez 2-0 et que vous remontez dès la 10e minute, la première 10e mi-temps, l'adversaire égalise et étant à domicile, bon, ça lui donne après un brin d'espoir. Il va pouvoir égaliser et puis gagner. Donc ça devient plus compliqué. Et étant réduit, on devait jouer pratiquement 25-30 minutes à 10. Donc il fallait pratiquement changer le dispositif, le réadapter en 4-4-1 et dire à tout le monde, soyez généreux dans l'effort. Et je pense que Dieu a été de notre côté. C'est qui va gagner le football c'est l'arbitrage. Si les garçons de Moussou Ouedraogo savent voyager, Bisco devra redoubler d'efforts pour ne pas se retrouver en 2-2. Le Santos freiné dans son ascension. Après 4 succès de rang, le Santos n'a pas réussi la passe de 5. La photo majestique sur ses installations de Saponé. Les académiciens ont eu la peau du Santos sur un pénalty. Salifou Ouedraogo, Sied Dilariène, Lassina Sawadgo. Majestique Santos, deux équipes aux objectifs différents. Le Santos cherche à s'éloigner de la zone rouge. Et l'équipe de Saponé, par contre, veut sécuriser son maintien dans l'élite du football burkinabé. Face donc à cette équipe du Santos, les académiciens du Majestic n'ont pas hésité à enflammer la rencontre. Avec une attaque portée par Swalio Kone, le Majestic s'est montré dangereux avec plusieurs occasions à la clé. À la 14e minute, les locaux étaient proches de l'ouverture du score suite à une sortie hasardeuse du portier du Santos. À la 22e minute, Ganyu Kwenda, flamboyant au milieu de terrain, oublie Seni Ouedraogo, a sorti le grand jeu. Il a fallu attendre la 30e minute pour voir une occasion des visiteurs. 6 minutes plus tard, soit à la 36e, le Majestic obtient un pénalty. L'homme orchestre, Swalio Kone, le transforme. 1-0 pour l'équipe locale de Saponé. C'est également le score à la pause. À la reprise, les deux entraîneurs décident d'apporter du sang neuf. Le Santos pousse, mais est confronté au bloc défensif du Majestic. Avec beaucoup d'occasions, les locaux restent maîtres du jeu sur le terrain. Le Santos a beau courir derrière l'égalisation et n'y arrivera pas. 1-0 à la fin de la partie pour le Majestic. Un coup d'arrêt à la série d'invincibilité d'Issa Balboné. Je ne suis pas tellement déçu du jeu de mon équipe, puisqu'on a essayé, on a poussé vers la fin, bon, on n'a pas pu scorer. Et l'adversaire qui a eu une occasion, il la met dedans. Bon, je pense que c'est une petite félicitation à l'adversaire qui a pu avoir une occasion et les mettre dedans. Nous qui avons eu plusieurs occasions et ne pas mettre, bon, nous allons continuer à travailler et puis vraiment voir la suite. L'objectif était coûte que coûte d'avoir les 3 points, puisque depuis la phase retour qu'on a commencé, on n'a jamais gagné de match. Et les adversaires qui étaient derrière nous étaient en train de se rapprocher dangereusement, à savoir le Santos même. Donc l'objectif est atteint ce soir. Grâce à cette victoire, le Majestic remonte à la 8e place, tandis que le Santos stagne à la 13e.
Ironie du sort de cette 19e journée, le match AS-Sonabel, AS-Police n'est pas allé jusqu'à son terme pour cause de coupure d'électricité. Vous avez suivi en direct le nul d'un but partout entre l'AS Feyeninga et le RCB en première opposition vendredi au stade du 4 août. En attendant son homologation par la Ligue de football professionnel, voici le classement provisoire à l'issue de cette 19e journée. Le RCK est au fait 41+20 malgré deux matchs en moins, suivi par l'USFAS 36+15, un match en retard. L'EFO complète le podium 30+5. En bas de ce podium, l'ASFB 4e 28+3. 5e, l'AS Police 27+5, un match en moins. Le RCB est 6e 27+4, deux matchs en retard. 7e, la GEB 27+3, qui cède sa 8e place au Majestic. 9e, auparavant, 27-2. Dans l'autre moitié du tableau, l'USO chute de la 6e à la 9e position, 26+6, un match en moins. Position stationnaire pour le Raïmo FC, 10e, 26+2. De même que l'AS Sonabel, 11e, un match en moins, 20-1. L'ASFB 11e, donc l'AS Feyeninga fait aussi du surplace 12e, 20-10, un match en retard devant toujours le Santos 13e, 18-8. COSAF non plus n'a pas bougé, 14e, 15-8, ainsi que les deux relégables à ce stade de la compétition, les deux clubs de l'intérieur, l'USCO de Banfora 15e, 12-15, et le BPS de Koudougou 16e, 8-20. Au total, 14 réalisations ont été enregistrées. Le RCK demain, la meilleure attaque avec 28 buts inscrits. Bonsoir, Lassina Saoudré, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Christelle. Dites-nous le constat de prime abord, c'est que les formations n'ont pas beaucoup bougé, surtout dans la deuxième moitié du tableau, malgré quelques victoires. Oui, ça n'a pas beaucoup bougé parce qu'on a ce problème de régularité là avec ces équipes du bas de classement. Depuis un certain temps, on pensait que les déclics qu'il y a eu de part et d'autre allait permettre à ces équipes-là de rebondir et puis véritablement d'animer le bas du tableau. Mais malheureusement, on retombe dans les mêmes travers. Les équipes, moi, quand je prends l'exemple de l'USCO, qui a pu avoir deux points face au Red Club du Kadougou et à l'aller et au retour, on pensait que ça allait enclencher une dynamique nouvelle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La seule équipe, c'est qu'il faut saluer, qui a pu enclencher une dynamique pour se sortir de la ligne rouge, c'est bien le Santos. Et pour cela, vous me permettrez de saluer avec tout ce qu'il se doit à un garçon comme Issa Balboné, qui a accepté de partir au Santos et qui aujourd'hui qui fait de très bons résultats. 4 victoires d'affilée permet au Santos pratiquement de quitter la zone rouge et d'être tranquille maintenant dans le ventre mou du classement. Pour les autres, le BPS par exemple, après le nul face à l'USFA Ouagadougou, on pensait aussi que ça allait enclencher une dynamique nouvelle. Malheureusement, non. Et ce qui est déplorable pour ces équipes qui veulent se maintenir, Christelle, c'est qu'à la maison, elles n'arrivent pas à prendre des points. Et ça, c'est très, très difficile. Quand on veut se maintenir et quand on a une équipe de l'intérieur, quand on joue chez soi, tu touches sur des terrains difficiles, on imagine, pour les adversaires qui viennent, il faut être capable de dompter le terrain déjà et puis après de prendre au moins un point. Lorsqu'on n'arrive pas à le faire, ça devient très, très difficile. Et vous l'avez dit, c'est une remarque très pertinente. Ce sera difficile, même si les écarts ne sont pas assez importants. Pour les équipes comme le BPS, les équipes comme l'USCO de Banfora, qui nous avait d'ailleurs promis qu'on en faisait un peu trop, on les voyait déjà en deuxième division. Ils avaient promis au service des sports de la RTB de rebondir, de reprendre du poil de la bête, malheureusement. Peut-être que ce sera au cours des prochaines journées. Mais on va croiser les doigts pour eux parce qu'on souhaite bien sûr voir Banfora rester en première division. On souhaite surtout voir véritablement un bouillonnement dans le bas du classement pour donner encore plus d'attrait au championnat. Si en haut ça bouge, il faut qu'en bas aussi ça puisse bouger un peu. On va passer au top et au flop de cette 19e journée. Oui, les tops et les flops, je commence par les tops si vous le permettez. Et les tops, je vais. Pour une équipe comme par exemple le Red Club du Kadougou, c'est difficile de dire que le Red Club du Kadougou est un top parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris de l'avance au niveau du classement. On est rentré dans les détails. J'ai trouvé un garçon, Christelle, il s'appelle Sidiki Traoré. C'était la première fois que moi je le vois dans le 11 type de Kamou Malo. Il a joué comme milieu relais à côté de Ousmane Sylla, encore infatigable Ousmane Sylla qui a battu un travail colossal. Mais ce garçon, il a apporté un plus dans la profondeur du jeu et qui a fait qu'il s'est fait remarquer tout de suite. Il a même marqué le premier but du RCK face à l'USO. C'était un garçon à suivre, c'est Sidiki Traoré. Il pourrait véritablement bousculer un peu la hiérarchie du RCK parce que Tô Elysée n'était pas là. C'était le titulaire au poste. Et ça risque à cette allure-là
de bouger là. Et puis aussi, il y a un garçon qui revient à la compétition, s'appelle Emmanuel Goura, il était latéral. Vous savez que le gros chantier pour les Red Cup du Cadre, vous l'avez dit dans vos dites, au niveau national, ça va, mais au niveau international, là, on a vu que la défense est véritablement encore à refaire. Emmanuel Goura a montré de très bonnes qualités. A contrario, il faut le dire, à contrario, c'est pas un flop, mais quand même, à contrario, il faut le dire, c'est Rachid Koulibaly qui a encore pêché par ses relances. Il a un véritable problème de relance, ce garçon. Et il faut qu'il accepte de faire des relances courtes lorsqu'on a des problèmes de relance. Ces relances, pratiquement à 98%, ont été ratées face à l'Union Sportive de Ouagadougou. Et ça, ce n'est pas bon. Un autre top, c'est l'USFA. Le deuxième top, c'est l'USFA Crécelle. L'USFA de Mourinho, qui a très bien voyagé. Hein. C'était difficile d'aller gagner à Banfora et Moussa Ouédraogo après avoir mis l'USO ou pas. Hein. Même si les spectateurs de Banfora accusent l'arbitrage. Oui, vous savez, c'est jouer à la domicile et puis encore accuser l'arbitrage, c'est quand on regarde que l'USFA a joué pratiquement à 10 contre 11 pendant 20 à 25 minutes, l'USCO étant en supériorité numérique, nos amis de Banfora n'ont pas pu revenir à la marque. Il faut véritablement quelque part se remettre aussi en cause. C'est vrai, peut-être que l'arbitrage a joué son rôle. On a écouté notre envoyé spécial qui n'a pas parlé du problème d'arbitrage. Messieurs, je pense qu'on accuse un peu trop les arbitres, souvent à tort. Souvent à tort, et c'est dommage. Les acteurs ont une grosse part de responsabilité dans le résultat d'un match. C'est vrai que l'arbitre, à travers son coup de sifflet, peut faire basculer un match, mais comptons sur nous-mêmes d'abord. Et après, les erreurs d'arbitrage qui sont aussi des hommes peuvent venir. Donc, on va continuer à dire que l'USFA était un top pour cette journée avec sa deuxième victoire d'affilée. Vous savez que Mourinho, il faut le signaler, a battu l'USO, son ancienne équipe, en aller comme au retour. Et ça, c'est très important. Et puis, un autre top, c'est le Majestic. Le Majestic qui sécurise avec sa victoire contre le Santos, hein, sa place en première division. On avait dit le Santos était dans une très bonne dynamique. C'était difficile pour le Majestic de stopper comme ça la dynamique santosienne. Sampo l'a fait à Saponé. Et il faut saluer et cela qui véritablement permet à son équipe de ne pas vivre encore ce traumatisme de l'année dernière. Le Majestic était véritablement englué dans le bas du classement. Et puis à la dernière minute, comme ça, comme des bons sprinteurs, ils sont arrivés donc à se sauver de la relégation. Voilà, voici donc les différents tops de cette journée. On va compléter ce top-là avec le match, peut-être en retard, qu'on va signaler juste ici, Christelle, sur le match du mercredi, qui va mettre prise le Red Club du Cadiogo à l'ASFA Yenega, mercredi, donc sur le coup de 16h, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. C'est un match à l'état de la 17e journée. RCK, ASFA Yenega, ça vaut bien le détour. Et puis le flop maintenant. Le flop, je donne un flop à l'ISCO. Je donne un flop à l'ISCO parce que l'arrivée de son entraîneur Ibe Zoubo, qu'on attendait tout à l'heure, a tiré à boulet rouge sur les arbitres. On laissait planer une lueur d'espoir, mais au fur et à mesure qu'on avance, la remontada, remontada espérée. Est-ce qu'il a les hommes qu'il faut pour espérer une remontada? Mais écoutez, lorsqu'on vient à la tête d'un club avec pour mission de maintenir l'équipe en première division, lorsque vous signez, vous acceptez la mission. Il faut pouvoir donc remplir cette mission-là. Aujourd'hui, il a encore dit, on espère lui prendre le mot, hein, que ça va aller, il va encore rester en première division. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter donc à nos amis de l'Union Sportive de la Comoé. Et puis, le deuxième flop, c'est l'USO. C'est l'USO qui enchaîne avec une deuxième défaite d'affilée. C'est vrai. Alors, quoi, défendant ces deux gros cylindres qu'ils ont croisés. Ils ont croisé l'USFA, ils ont croisé le Red Club du Cadre. C'est le leader et son dauphin qu'ils croisent. Mais l'USO, aujourd'hui, on le sait, c'est un dérangeur des grands. Et je trouve que c'est peut-être un peu pas normal là, que les poulains de Noël Théant aient su comme ça une deuxième défaite d'affilée. Donc, le deuxième flop de cette journée. Et puis, le troisième flop, c'est au dirigeant du Red Club du Racing Club de Bobo-Dioulasso, Crécelle. On a suivi le match ASFA Yenega, RCB. L'entraîneur sur la feuille de match, c'était Rosario Yamego. Parce que l'entraîneur recruté en lieu et place de Colomb Koulibaly est aussi malien. Il semblerait que ses papiers ne soient pas en règle. Pour donc diriger un club comme le RCB. Et comment peut-on, après avoir vécu ce même problème avec Colomb, revivre la même chose avec Sylla Mamadou? Ce n'est pas normal. On devait pouvoir prendre des dispositions pour un club aussi sérieux
que le RCB. C'est pas normal parce qu'avec ce genre de situation, on plombe une saison. On a vu encore face à la Sfinega une équipe du RCB un peu désaxée qui ne savait pas à quel sens se vouer et qui avait les occasions de gagner ce match-là. Oui, finalement, qui repart avec le point du match nul. Je pense que c'est une faute professionnelle. Il faut que les responsabilités soient situées parce que ce n'est pas normal quand un club comme le RCB, aussi bien organisé, vive ce genre de situation. L'autre flop, Christelle, c'est l'interruption du match à Sonabel. AS Police, c'est la deuxième fois qu'on vit cette situation du côté du stade municipal de Joseph Konombo. Je pense que ce n'est pas bon quand une équipe se prépare pendant toute une semaine et qu'elle arrive pour jouer son match. Elle fait 45 minutes, imaginez-vous, pour les policiers qui menaient 1-0 et qui, comme ça, doivent repartir à zéro. Laver les maillots, se reconcentrer, se repréparer et revenir jouer un match. On nous a dit qu'il n'y avait pas de... Le délaissage était passé, le courant est revenu. Mais il paraît que, ça je parle sous l'avis du président du Santos, du président du Santos, qui est un agent de la Sonabel, qui nous faisait savoir qu'il y en avait besoin que les lampadaires se refroidissent pour reprendre. Je ne sais pas combien de temps il faut pour que les lampadaires se refroidissent pour reprendre. Et ça nous appelle, ça nous amène encore à redire ce qu'on avait déjà dit ici. Nous ne vous donnons pas le compte-rendu des matchs, des deuxièmes matchs du stade municipal, parce que l'éclairage au stade municipal est défaillant. On le répète tout le temps, c'est vrai, le journaliste, il est celui-là qui interpelle, qui tire la sonnette d'alarme. Nous le faisons depuis le début de ce championnat, il n'y a rien qui bouge. On a l'impression de prêcher dans le désert, mais nous estimons que nous travaillons pour un public qui nous suit, qui sait de quoi nous parlons. Ceux qui vont au stade municipal savent ce qu'il y a comme défaillance d'éclairage au stade municipal. On vous l'a déjà dit, c'est bien d'avoir l'éclairage, mais l'éclairage de bonne qualité, c'est encore mieux. C'est un flop. Je ne sais pas qui la responsabilité, mais véritablement, ce n'est pas bon et les clubs en subissent les conséquences. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces analyses. Il n'y a pas eu de surprise au sortir de la gelée. L'ASFA Yenenga Sancho a été conforté dans son rôle de président du comité central. Gabriel Bérewoudgou ainsi que les autres membres du staff ont appelé à une union de la grande famille jaune et vert. Les grandes conclusions de cette assemblée générale avec Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Les membres de la famille jaune et vert qui s'est déroulée au Conseil burkinabé des chargeurs. À l'entrée, les supporters rendent hommage aux anciens et tous ceux qui sont passés à la tête de l'ASFA Yenenga. Ainsi, Simon Kafando, Sasnaba et Seydou Diakité ont pris un bain de foule avant même le début de la cérémonie. On note la présence de clubs amis comme le RCK, qualifié d'allié. Vous savez, l'ASFA Yenenga reste un grand club, on dit toujours qu'un grand club ne meurt jamais. Et donc, par conséquent, nous sommes sûrs que vous allez revenir à force. Puis, c'est au tour du 12e homme de se faire entendre. Évitons les injures à l'endroit des dirigeants. Tout supporter qui insultera un dirigeant se verra rappeler à l'ordre. L'Assemblée générale s'est ensuite penchée sur la gestion du président sortant Moussa Rabo de mai à octobre 2016, d'y avoir mobilisé, grâce à des personnes de bonne volonté, la somme de 32 millions de francs CFA pour faire face aux dépenses du club, dont la masse salariale s'élève à 4 010 000 francs CFA par mois. Au résultat, l'ASFA Yenenga termine 4e du championnat et de la Coupe du Faso au cours de la saison 2015-2016. Appelé au chevet de la princesse Yenenga en octobre 2016, Gabriel Bérewoudgou, grâce à l'appui financier de certaines personnes ressources, dont Seydou Diakité, gère les affaires courantes. À l'issue des travaux, tous les participants sont unanimes sur la nécessité de sonner le rassemblement autour de la princesse Yenenga. Sur proposition de la table de séance, un comité central consensuel composé de 20 membres est mis en place avec à sa tête Gabriel Bérewoudgou dit Sancho pour un mandat d'une année. On a commencé depuis... Et janvier, on a quand même presque tout réglé les problèmes. Mais le reste, on va régler le plus vite possible. Parce que vous savez qu'Asfa Yenenga n'aime pas les défaites. Rien n'est simple aujourd'hui, surtout dans le domaine du football. Il faut qu'on puisse mettre un peu d'organisation dans les clubs, créer les conditions pour que notre football puisse grandir davantage. Alassane Ouedraogo, juriste de formation, occupe le poste de secrétaire général. On note la présence de 8 vice-présidents, dont Hubert Hien, ancienne gloire du club,
et premier buteur des étalons à la CAN 1978. Il était temps qu'on puisse, en tout cas, revoir les structures pour ensemble peut-être se pardonner, se retrouver et en tout cas reprendre les choses en main. Notre confrère Nyaki Teda, grand amoureux du club jaune et vert, est chargé de l'information et de la communication. Dans les tout prochains jours, un autre organe composé d'une soixantaine de personnes sera mis en place pour s'occuper de la mobilisation des ressources financières. La Sina Sawadigo, c'est ce que c'est, on appelle ça faire du neuf avec du vieux. Ce sont tous des revenants. Pourquoi ce choix au niveau de la grande famille de la Spéyéné? Je pense qu'il fallait parler au plus pressé, Christelle. On a vu un peu dans le reportage de Jean-Modeste Ouedraogo qu'il y avait véritablement des problèmes. Il y avait, vous l'avez fait plusieurs fois des tours du côté du terrain d'entraînement de la Spéyéné. Ce n'était pas du tout reluisant pour un club qui s'est dit grand. Il y avait véritablement péril en la demeure. Il fallait sauver le plus, il fallait sauver ce qui peut être encore. Et puis voilà pourquoi, sans doute, hein, la grande famille de la Spéyéné s'est retrouvée autour de M. Seydou Diakité, hein, qui a sonné le rassemblement pour que les choses reviennent à la normale. Vous l'avez dit, hein, c'est un peu de vieux. On a vu beaucoup de vieux visages. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut saluer parce qu'il y a un véritable problème dans le football burkinabé, dans le sport de façon générale. Lorsqu'on quitte le club, on est pratiquement vomi. On n'a même plus envie de sentir le club à quelque part. Et là, lorsqu'on voit toute la famille de la Spéyéné réunie, avec, j'ai vu Ibeyen, on voit Noufou Ouedraogo, on voit tout ce monde-là qui reviennent pour sauver le navire à Spéyéné, c'est que véritablement, il y avait péril dans la demeure et que ces messieurs-là, peut-être à quelque part, ils sont véritablement passionnés du club. Ils ne sont pas venus se servir, mais ils sont venus servir le club. C'est ce que j'espère, c'est ce que je crois. Cyril Diakité a mis la main à la poche pour sauver déjà, pour régler beaucoup de finances, mais Christelle, Je pense que la crise sociopolitique passée nous a montré que nos grands clubs sont des chiens au poids d'argile. Lorsqu'on n'est pas organisé de façon structurelle, une petite secousse vous fait tomber. Et on l'a senti à l'effort, on l'a senti à la Spéyéné. C'est vrai, c'est pour une année que ce bureau est là, mais je pense qu'il faut travailler à structurer le club, à mettre une organisation de sorte que même quand X n'est pas là, que le club continue de vivre. Sinon, vous irez encore faire des reportages sur le terrain de la Spéyéné. Vous ne verrez même pas peut-être un seul gazon. Je ne sais pas si le gazon a poussé entre-temps. On posera la question à Vier, à tous ses amis qui sont friands de ce club-là. C'est bien que la Spéyéné revienne, même si pour cette année, déjà, il faut dire que c'est plié pour le championnat. Ce n'est pas possible de revenir. Pour la Coupe du Faso, on se frotte les mains parce qu'il y a un scintillant et fou à Spéyéné déjà en 16e de finale. Ça va nous donner peut-être une idée de ce que vaut cette équipe. Et puis peut-être le premier élément de réponse, c'est ce mercredi, face au Rail Club du Kadougou, parce que ça sera un choc. Hein. À Spéyéné, après Assemblée Générale, que vaut cette équipe des Jaunes et Verts? Merci beaucoup, Lassina Sawadgo. Clin d'œil sur la division inférieure. La lutte est âpre pour la montée. On jouait aussi pour le compte de la 19e journée. Dans la poule à l'Est, Douane était aux prises avec le leader actuel, Salitas. Hiérarchie respectée avec la victoire étriquée de Salitas, 1-0, qui le rapproche davantage de l'élite. Salifou Belem, Salifou Ouedraogo, l'opposition AS Douane Salitas est sans doute l'affiche de cette 19e journée de la 2-2 Burkinabé. Ce choc entre le premier et le troisième de la poule A produit un jeu à la limite rugueux. En témoigne l'expulsion à la 61e minute de Lamoussassou, l'avant-centre des douaniers. Lamoussa était pourtant le danger numéro un des bleus jaunes. Il fut le premier à se signaler à travers une frappe repoussée par la barre transversale. Quelques minutes plus tard, le latéral gauche de Salitas se replique par un lob tenté à distance. À la 41e minute, Abou Ouattara, vivotant à l'attaque, est déséquilibré dans la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty. Edmond Tapsoba transforme de justesse et 1-0 pour Salitas. Ce sera le score à la pause. En seconde période, l'AS Douane gèle son va-tout dans la course pour l'égalisation. Mais les jeunes de Salitas ne l'entendent pas de cette oreille. Dans les derniers instants de la partie, Abou Ouattara avait la balle du break dans les pieds. Mais il exploite mal. Score final 1-0 pour Salitas. Les joueurs se sont battus vraiment. Et ensemble, ils ont tout fait pour défendre ce but-là. Et vous avez eu même les derniers. Les dernières minutes, on s'est créé des occasions et c'est normal. Maintenant, on n'a pas pu en tout cas les concrétiser. C'est dommage, mais l'essentiel est fait. Et on est
très content. Je suis fier de mes joueurs. Ils ont, même à 10, ils ont montré que c'était des hommes. Ils ont montré qu'on avait une équipe qui mérite d'aller en première division aussi. Donc c'est ce que moi je retiens. La rigueur physique que mes joueurs avec la rigueur tactique. On était obligé de réaménager après la sortie de notre capitaine. Et je suis fier de ces jeunes. Le Salitas trône seul en tête de la poule A du championnat 2-2 avec 44 points et une avance de 8 points sur son poursuivant direct, la SEC, contre un match nul à Combestri par Fabao Espoir. En tout cas, vous l'avez entendu, toujours dans la poule à Combestri, la SEC de Koudougou en déplacement à contre Fabao a marqué le pas par un nul d'un but partout. Dans la poule B, le Sourou Sport est en grande souffrance à moins d'un miracle. Il est au bord de la relégation pour la troisième division. Le sort s'acharne en plus contre le club de Touga, empêtré dans des difficultés de tout genre. Pour cette journée, l'AS Maya est venu mettre à nu les problèmes du club en disposant de lui 2-0 au stade de Touga. Autopsie d'un club en crise avec Siedi Larienne et Kalfa Ouattara. Vous voyez, bon, ça n'a pas... On va essayer toujours. Ces propos d'Amidou Zerbo en dit long sur la situation du Sourou Sport cette saison. Dernier au classement et relégable en D3, le Sourou Sport est un concentré des conséquences d'une mauvaise gestion. Sans bureau et aux mains d'anciens joueurs du club, le Sourou Sport de Tougan se cherche. Franchement, là où je suis assis, je ne suis pas du tout content parce que ça ne va pas. Quand on regarde, en tout cas, les enfants, ils ont... Le talent, il peut bien faire, mais bon, ils ne sont pas bien accompagnés à tous les niveaux, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan organisationnel, rien ne va. Effectivement, nous constatons avec beaucoup de regrets que l'équipe, en tout cas, a de sérieux problèmes. Effectivement, est lié donc aux moyens financiers notamment. Sur le terrain, c'est une équipe qui a aussi mal en son football. Pour le compte de la 19e journée, l'équipe locale a fait un pas de plus vers la D3. L'AS Maya de Bobo est passé par là. 40e minute, Tebole Belem est victime d'une faute. Penalty pour l'AS Maya. Elvis Kone le transforme et donne l'avantage aux visiteurs. 1-0 à la mi-temps. Il a fallu attendre la 90e minute pour voir le Sourou Sport couler, comme il est de coutume cette saison. 2-0, c'est le score final. Ça n'a pas marché. On a beaucoup de blessés. Et puis, la subvention n'est pas encore arrivée. Donc, ça fait que beaucoup de joueurs, ils n'ont pas le moral. Le moral est faible, donc on a des difficultés à jouer. Vraiment, vraiment, franchement, là, c'est dur sur nous. Donc, mais les joueurs même n'arrivent pas. Pour manger même, c'est un problème. Parce que ceux de l'année passée, là, ils sont partis, là, il n'y a rien, ils n'ont rien laissé. Ceux qui sont venus, là, ils sont au nombre de deux. Qui sont en train de s'occuper de l'équipe. Donc ça ne peut pas marcher. C'est vraiment un déplacement fructueux. Parce que là, on sort vraiment de trois matchs un peu difficiles. Les deux premières journées de la phase de retour, on l'a perdu. Le troisième, on a fait un match nul. On avait vraiment obligation de résultat ici. Bon, on a bien préparé le match mentalement. Ça fait qu'on a bien abordé le match. Mentalement, l'équipe était en place. Mais je pense que ça nous a servi vraiment de pouvoir prendre les trois points ce soir. C'est vraiment un déplacement très fructueux pour l'équipe. Nous sommes à la phase de retour, il y a encore beaucoup de matchs qui restent à jouer. Je pense que si du fait qu'on enchaîne les victoires, on pourra quand même améliorer un peu notre position et puis viser un peu plus haut. Avant même la fin du match, le public désespéré quitte le stade Sangoulé Lamizana. Est-ce le signe de la fin d'une époque? La fin du Sourou Sport en deuxième division. SOS donc pour le Sourou Sport de Tougan. Le Sourou en peine, l'USFA en suprématie. Nous parlons football féminin. Elle remporte pour la troisième fois de suite le championnat national. Dimanche pour la 14e et dernière journée, le National Athletic Sport Club de Bobo n'a pas fait le poids. La lanterne rouge dans ce choc des extrêmes a été balayée 5-0. Ibrahim Assombié, Samira Sana, Jean-Modeste Draogo. Les filles de l'USFA sacrées championnes de la saison 2016-2017. Pour la troisième fois consécutive, elles montent sur la plus haute marche du podium du football féminin et célèbrent leur sacre avec faste. Et pourtant, il fallait attendre la dernière journée face au National Athletic Sport de Bobo pour confirmer ce titre. Dans cette rencontre, tout commence à la 17e minute. Awatou montre la voie à suivre à ses coéquipières.
elle inscrit le premier but pour son équipe. 1-0. Quelques instants plus tard, Mounira Compaoré avait la balle du deuxième but au bout de ses souliers, mais passe à côté. Les Rouges en profitent pour se réveiller. Un réveil de courte durée, car à la 37e minute, Balkissa Savadogo va doubler la mise en faveur de l'USFA. 2-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les filles de Zakaria Zeba continuent de mettre la pression sur leurs adversaires. De belles séquences de passes récompensées par un but à la 50e minute avec Mounira Compaoré. Acculé, National Athletic Sport se contente de défendre. Malheureusement, les filles encaissent un quatrième but à la 57e minute par Florence Poda. Face à l'USFA, les filles de la Sina Ouedraogo ne font pas le poids. Karigatou Dao participe à la fête en signant le cinquième but. 5-0, c'est le score final. Et on a gardé la tête jusque là et vraiment on est content d'être champion cette année une fois encore. C'était notre objectif depuis le début et on l'a atteint. Ça fait vraiment très plaisir, je suis très content pour moi, pour mes joueuses, et pour l'armée, l'équipe dirigeante qui est l'armée, qui nous a donné les moyens de travailler. Pour une première participation, le National Athletic Sport des Bobos, quant à lui, occupe la dernière place du classement et tire les leçons pour la saison prochaine. C'est un sentiment d'amertume, bien sûr, puisque le score est lourd. Nous aurions souhaité quand même terminer la saison de belle manière, que notre défaite soit quand même un nul. Mais nous sommes venus, nous avons appris, nous allons redescendre, mais nous allons y travailler pour remonter. La première division referme ses portes avec le sacre de l'USFA, mais le football féminin continue et dès le week-end prochain, la deuxième division prend le relais. Dans les autres oppositions, Rennes se paye Princesse 2 buts à 1, Tigresse plie 2-4 devant Étincelle, Dantan et Lyon calent 2 buts partout. Au classement, l'USFA trône en grand 34-23 devant Étincelle 32-28 et Rennes 27-10. Princesse est 4e 22-6, Lyon 5e 15-9, suivi des Tigres 6e 14-6, Dantan AC 7e 13-11 et Nas ferme la marche 1-27. Comment endiguer les violences dans nos stades et sur nos terrains? Le président de la Fédération burkinabé de football était face aux responsables du football ce week-end en vue de se concerter pour trouver des solutions idoines et à long terme pour minimiser, voire éradiquer ces gestes anti-fair-play. Quelles sont les suggestions des uns et des autres en la matière? Adama Guiti et Bangba David Kafando nous situent. Mettre fin au spectacle de ruines dans nos stades, tel est le message adressé aux responsables des sports par Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabé de football. Et pour cause, le phénomène de la violence dans les stades a pris ces dernières années une ampleur telle qu'il devient plus qu'urgent de s'y pencher sérieusement. À Ouagadougou, la violence a éclaté dans les tribunes du Faso Foot il y a une semaine, en marge de la rencontre entre l'Efo et le Santos. À Koupela, le match entre l'ASK et la SEC de Koudougou a été interrompu pour cause aussi de violences qui ont émaillé la partie. On s'est rendu compte tout simplement ces derniers temps qu'il y avait beaucoup de tensions. Et vous savez également que, particulièrement au niveau du championnat de deuxième division, cette année, nous sommes à 32 clubs et le règlement intérieur qui a été ventilé dès le début du championnat prévoit 5 descentes par poule. Il fallait donc qu'on se retrouve envisager des solutions pour que les différents championnats se terminent sans difficulté majeure. Les hommes en noir du Faso Foot subissent régulièrement le courroux des supporters. Cela se traduit par des injures et des agressions. Comme solution, des responsables de clubs recommandent de rendre publiques les sanctions des arbitres coupables de fautes professionnelles. La réponse de Sita Sankaré face à cette requête est on ne peut plus clair. Déjà, il faut que les gens comprennent que les arbitres sont effectivement sanctionnés. Il y a des sanctions, mais nous avons, chaque pays va avec ses réalités. Et nous avons en réalité très peu d'arbitres. Et très peu d'arbitres qualifiés au niveau élite pour siffler les matchs de première division, par exemple. Et donc, si les décisions de sanctions sont rendues publiques, leurs sanctions consistent généralement à les écarter des stades pendant un bout de temps. Et vous comprenez que si la décision devait être publique,
Et voyez, même si ce n'est pas les dirigeants et les supporters qui pourront dire c'est cet arbitre-là qu'on avait dit qu'il était mauvais, il ne doit plus siffler notre match. Or, malheureusement, nous ne pouvons pas nous passer d'eux parce que nous n'en avons pas suffisamment. Faire échec à la violence par la sensibilisation et appeler les supporters à la retenue. Le président de la fédération en appelle au sens de la responsabilité des acteurs. Chacun doit redoubler d'efforts pour préserver la paix afin d'acter le rayonnement du face au foot. C'est parti depuis jeudi pour la deuxième coupe du gouverneur du Centre-Sud. Un match inaugural, les enseignants n'ont pas tergiversé devant l'équipe coalisée de la culture, de la jeunesse et de la fonction publique. Score 3-0 pour les professionnels de l'éducation. Jean-Modeste Draogo. 12 équipes issues de l'administration publique et privée de la région du Centre-Sud marquent leur présence à cette deuxième édition de la Coupe du gouverneur Kazmi Segda. Une coupe qui vise la cohésion, la solidarité et le brassage entre les travailleurs de la région. Il fallait qu'on crée un cadre pour sympathiser et créer une saine solidarité entre nous. Comme vous le savez, les relations de service seules ne suffisent pas pour que la vie soit belle. En apéritif, sur le terrain régional de Manga, la Drena, regroupant les enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire, détentrice du trophée est face aux travailleurs de la culture, de la fonction publique, de la jeunesse, du travail et de l'ANPE. Un match âprement disputé par les deux formations. Les enseignants plus solides en défense contrôlent le jeu et créent des frayeurs aux joueurs de la DRCJTFA. Une domination marquée par l'ouverture du score à la troisième minute grâce à Soumaïda Ouidraogo. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, la DRCJTFA se remobilise et tente quelques incursions dans le camp des enseignants. Malheureusement, Didier Zumrana douche les derniers espoirs de l'équipe de Tony Saïdou. 2-0, les enseignants plus forts ajoutent même un troisième but. Et tue tout suspense. 3-0, c'est le score final. L'école est temps de savoir. Donc c'est nous qui apprenons aujourd'hui à jouer au ballon. Donc si nous on doit monter sur le terrain quand même, c'est nous qui devons remporter la victoire. Donc c'est ça la... Le secret, je dirais quoi. L'autre équipe n'a pas démérité. Je crois que comme c'est pour un début, les réflexes vont venir par la suite et nous allons suivre de beaux matchs. La Coupe du gouverneur en football a pris son envol et de fort belle manière. Nous avons donc envoyé des correspondances dans tous les services pour recueillir des points focaux. Et donc chaque service nous a envoyé un représentant. Et entre représentants, nous nous sommes réunis et nous avons donc mis en place ce que nous avons appelé le comité d'organisation. Pendant deux mois, la ville de Manga vibrera au rythme de la Coupe du gouverneur en football. La course à la succession de l'équipe des enseignants est donc lancée. Fin ce week-end de la phase aller du championnat de la Ligue du Centre de handball. Si la Sfayeninga s'est offerte à l'AS Sonabi 27-20, l'AS Douane a été sans pitié devant l'AS Sonabel en senior dame 43-14. En homme, l'AS Sonabel a pris le meilleur sur l'AS Douane sur le fil 29 après la victoire éclatante de l'US face à l'USK 35-25. Les images sont signées Yafama Roger Kam. Quatre rencontres ont mis un terme à cette cinquième et dernière journée de la phase aller du championnat de la Ligue du Centre de handball. Face à la formation senior homme la moins cotée, l'USFA en rouge-bleu a allié une équipe bis. L'USK a fait douter son vis-à-vis en la talonnant jusqu'à la pause par un but d'écart, soit 13-14. Le début de la reprise est tout aussi disputé. Les marrons bleus reviennent à la hauteur des militaires, 16-16. Les deux clubs se tiennent avant que l'USFA ne fasse rentrer quelques ténors. Dès lors, elle prend le large et s'impose 35-25, soit 10 buts d'écart. La deuxième rencontre homme a été très indécise. Les deux finalistes de la Coupe Pullman ont donné un avant-goût de l'affrontement prochain. Après un début remarquable, les violets de la Sonabel lâchent du lest. Ils se font rejoindre avant de reprendre du poil de la bête 18 à la mi-temps. Les 30 dernières minutes sont intenses. Les joueurs de l'Est Douane tiennent à réduire le score. Le jeu est très animé. Le public retient son souffle. L'Est Sonabel résiste comme elle peut. L'Est Douane vend cher sa peau, non sans regret, in fine, 19-20. Avant les messieurs, cette même affiche était sur le tableau féminin, mais là, il n'y a pas eu de suspense. Les douanières, dans leurs couleurs traditionnelles,
ont déroulé devant les électriciennes en rouge. L'AS Douane s'est même payé le luxe d'aligner deux formations qui se relayaient toutes les 15 minutes. Elle maîtrise la première période 14-9, bien aidée par Alima Ouedraogo, très efficace, 15 buts. Les Jaunes Noirs asservissent l'AS Sonabel, 43-14. L'AS Fayenega chez les dames avait déjà donné le ton. L'AS Sonabi, après un score de 10-12, succombe 20-27 à l'issue des 60 minutes. Une phase allée qui, dans son ensemble, a connu quelques difficultés. À quelque part, on est satisfait, surtout par rapport à l'organisation. Nous pouvons dire en tout cas que nous avons réussi, en tout cas l'organisation. Il y a eu moins de difficultés, c'est vrai. Bon, surtout par rapport au terrain, en tout cas, on a eu pas mal de problèmes là-dessus. Bon, pour avoir le palais, bon, souvent, c'est pas facile quand il y a des manifestations ici. On est obligé, en tout cas, de nous replier au niveau de Jean-Pierre Guingané, qui souvent aussi est occupé par des activités extra-sportives. Donc, ça fait que c'est un peu difficile. Mais du point de vue, en tout cas, technique, nous sommes satisfaits parce que, bon, surtout au niveau des seniors hommes, le niveau est satisfaisant. Bon, c'est surtout au niveau des dames que, bon, le problème se pose, parce que quand vous suivez, le championnat est dominé par une seule équipe, à savoir la Lonabé qui survole toutes les autres équipes et suit l'AS Fayenega, sinon le reste est à la traîne. Bon, ça fait qu'en tout cas à ce niveau, il y a de quoi vraiment se poser des questions et chercher les moyens et les voies nécessaires pour pouvoir en tout cas remonter le niveau au niveau des dames. Sinon, c'est inquiétant pour la suite. La reprise interviendra le week-end du 6 au 7 mai prochain. Le bureau exécutif de la fédération en conciliabule s'active pour l'après-phase retour. De gros challenges se présentent à lui, l'organisation des championnats nationaux dans toutes les catégories. Pour coller à l'actualité du handball continental, sachez que le 1er d'Agosto d'Angola chez les dames et El Ahly, le club égyptien, chez les messieurs, sont les grands vainqueurs des 32e championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe Agadir 2017 qui se sont achevés ce week-end au Maroc. Une quarantaine d'acteurs du baseball renforcent leurs capacités. Ce stage s'est tenu dimanche à l'ISSTH afin de permettre aux différents intervenants du maillon de la chaîne de parler le même langage lors des compétitions. Alain Didier Compaoré, Jean-Modeste Ouedraogo. La Fédération burkinabé de baseball poursuit dans sa volonté de vulgariser la discipline au Burkina Faso. Pour ce faire, quoi de mieux que d'outiller les principaux fers de lance. Ainsi, entraîneurs, arbitres, scoreurs et autres acteurs ont reçu une formation en technique d'encadrement. Cette formation s'est basée sur 4 modules. Donc, à savoir, d'abord, le premier module, c'était comment il faut attraper la balle d'abord, comment il faut lancer, comment il faut attraper et comment il faut frapper. C'est le béaba du baseball d'abord qui a été enseigné. Donc il faut que l'année prochaine encore, on ait une autre formation de haut niveau. Donc cette formation de haut niveau vise aussi à ce qu'on ait aussi des équipes vraiment de haut niveau compétitives. Voilà, donc pour viser les Jeux de la Francophonie et les Jeux de Tokyo 2020. Cette formation pratique vient après celle théorique administrée la veille. Le président de la Fédération burkinabé de baseball revient sur les raisons de cette séance de formation des acteurs venus des différentes régions. Cette formation s'imposait à nous parce que vous savez que le baseball c'est un sport où les règles évoluent. Donc il était de bon ton pour nous d'assurer cette formation-là à l'intention des coachs, des arbitres et des scoreurs, des lycées, des clubs et des écoles primaires. Voilà, donc l'objectif c'est de leur donner des connaissances théoriques et pratiques afin qu'ils puissent mieux assurer la mission qui leur est dévolue. Les stagiaires qui n'en demandaient pas mieux s'en réjouissent et promettent mettre en pratique les enseignements reçus. Je viens de recevoir une formation de coach. On a beaucoup appris. Et ce que le DTN a dit, on a fait théorie, pratique. Et ça fait que on repart en tout cas armé et d'un bagage qui nous permettra donc de former. J'étais ici pour la formation du scorage dans le baseball. Et ces deux jours, en tout cas, ça s'est bien passé.
On a fait la théorie, la pratique et on a beaucoup appris. C'est par une remise d'attestation aux participants que le stade de formation a refermé ses portes. Serait-ce enfin le bout du tunnel pour la famille du karaté do burkinabé? Le week-end prochain, les acteurs sont appelés à élire le nouveau bureau fédéral. Avant l'élection fédérale, le président du comité transitoire fait le point. Il est au micro de Césaire Carfo et Kalfa Ouattara. On sent de l'amertume et des regrets en lui à chaque fois qu'il évoque la situation du karaté do. Et pourtant, Jean Yamego et le comité transitoire sont en passe de remettre la discipline sur les rails. Que le chemin fut long et parsemé d'embûches. Vous savez, on a eu trop de difficultés pour arriver à ce niveau, mais j'ai tenu à aller dans ce sens parce que, après un an de médiation, vous comprenez que c'est difficile. Chaque fois, on avance, on revient à la case départ. Chaque fois, on dit, il y a des groupes. Nous voulons ça, nous voulons ça. Je pense que nous avons notre ligne de conduite. Aujourd'hui, toutes les structures au niveau inférieur ont été mises en place, avec parfois quelques difficultés. À Kaya, ça s'est bien passé finalement. Ensuite, nous sommes allés à Tinkurugu. Là, il n'y a pas eu de problème. Ensuite, nous sommes allés à Kudugu. Kudugu, il y a trois clubs où les gens se sont joués de sale tour. Et finalement, l'élection n'a pas eu lieu là-bas. Au Ouagadougou, c'était à un moment donné, on a pu mettre en place. La structure fédérale verra certainement le jour, les 5 et 6 mai prochains. Et le message de Jean Yamego est clair. Il faut rassembler. Il y en a qui se sont rebellés. Ils n'ont pas répondu à l'appel de la gendarmerie. Il ne faut pas les exclure. Nous sommes là pour rassembler. Si ces clubs se mettent à jour, ils peuvent passer par la voie normale, demander leur affiliation et puis intégrer la fédération, les structures en fait. Et il faut aussi pardonner à ceux qui ont été virulents à un moment donné. Parce que dans cette histoire-là, on ne peut pas dire que telle personne ou telle personne a raison. Je pense qu'il faut travailler à les amener ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas venus pour la mise en place de la fédération par suite de colère, qu'il faut les exclure. À l'heure de la normalisation, le président du comité a tenu à lever tout équivoque. Au départ, notre idée, c'était de travailler, recueillir les impressions, les avis, et puis faire une assemblée générale et aller dans le sens où eux tous ils veulent, où la majorité veut. Parce que ce n'est pas possible qu'une fédération soit en crise depuis des années, ça ne finit pas. On allait décanter les textes maintenant et puis mettre en place les structures. Mais pour la viabilité de la nouvelle structure, des exigences s'imposent. Il faut que les statuts et règlements intérieurs de cette fédération-là s'adaptent aux textes du ministère, comme toutes les fédérations. Le patron du comité olympique pense déjà à des garde-fous pour éviter pareille crise. Je veux demander à M. le ministre de nous permettre de mettre quelqu'un là-bas pour veiller à la régularité des choses pour que la crise ne revienne pas. Chaque structure sportive connaît des difficultés à des moments de leur existence. Mais les acteurs font preuve d'un sens élevé. Que le karaté s'en inspire et travaille à donner au Burkina des médailles au lieu de nous servir des crises. Espérons qu'ils vous entendent, Kalfa Ouattara. En bref, les éliminatoires du CHAN 2018 ont commencé ce week-end pour 6 des 49 sélections engagées. Dans la zone sud, Madagascar s'est imposé 1-0 devant le Malawi. L'île Maurice a disposé des Seychelles 2-1. Le Soudan du Sud a réussi un bon coup en surprenant la Somalie à domicile 2-1. Les retours sont prévus en fin de semaine. Une passerelle donc pour voir avec Modeste Ouédraogo les nouvelles de nos professionnels. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Sont-elles bonnes? Ben, on va dire que les nouvelles ne sont pas aussi bonnes que d'habitude, parce que là, il y a un seul buteur, on va dire, hein, pour ce que nous avons comme information sur les pros.
on va dire que le buteur, il s'appelle Charles Kabouré, qui fête son premier but en Russie. Oui, on était à la 24e journée et Charles Kabouré a inscrit son premier but en Russie avec Krasnodar. Et c'était donc contre Arsenal Toula. Kabouré donc ouvre le score à la 49e minute pour la victoire de 2-0 pour Krasnodar. À 6 journées de la fin, on va dire que Krasnodar joue pour la Ligue Europa. Alors, dans le même championnat, on va dire que, et ça cette fois-ci en D2, Gafa Sirima, le jeune étalon, il a 18 ans, l'ancien donc de COSAF, et Baltica font jeu égal, devant donc Sibir, un but partout. Sirima, titulaire, a joué 90 minutes. Et puis, en Turquie, on jouait la 28e journée, Kayserispor de Sibiri, Alain Traoré, va mal, puisque le déplacement donc sur le terrain de Guinclair Birgili, Kayseri a enregistré une nouvelle défaite de 2-1. Le milieu des étalons de Burkina est entré à la 80e minute. Excusez-moi. Et puis aux Pays-Bas, on jouait la 32e journée. Le titre semble échapper à Bertrand Traoré et l'Ajax Amsterdam, puisque face donc au PSV Eindhoven, l'équipe de Bertrand perd sur le score d'un but à 0, une défaite en tout cas qui va faire mal puisque devant il y a une autre équipe qui est en train de prendre en tout cas le dessus et il va falloir que Bertrand Traoré et son équipe se réveillent. Ils pourront se racheter peut-être au niveau de la Ligue Europa. Justement, oh, il reste encore 2 journées. Et puis Bertrand est sorti à la 43e minute justement. Et puis en France, on jouait la 34e journée. Et là, Toulouse de Steve Yago et Alban Lafont font match nul face à Nice. Un but partout. Le gardien de but franco-burkinabé, Alban Lafont, lui, était titulaire. Par contre, Yago est resté sur le banc. Et puis à Nancy, Nancy et Marseille se séparent 2-2, 0-0. Et à Nancy, il y a le jeune, pour ne pas dire le néo-étalon, Anthony Coura, qui n'était pas sur la feuille de match. Et puis, toujours en France, en deuxième division, Valenciennes d'Abdoulaziz Kabouré s'est imposé sur le score de 4-0 devant Orléans. Et puis, Aziz Kabouré, titulaire, a joué 90 minutes. Et puis, pour finir, en Guinée-Conakry, on jouait un match en retard ce week-end. C'était dimanche entre le Oroya de Guinée et Renaissance FC. Victoire donc de Oroya de Guinée, 3-0. Les Burkinabés étaient là. Bassirou est sorti sur blessure. Okansi Mandela, buteur sur pénalty et passeur décisif. Voilà un peu les nouvelles de nos pros qu'on a pu réunir pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, Jean-Modeste Soudrago, pour toutes ces actualités. Et nous continuons avec le football sur le vieux continent. Il y avait en tout cas de très belles affiches. En Italie, la Juve file vers un nouveau Scudetto en Ligue 1. Son prochain adversaire en demi-finale de la Champions League, Monaco, s'est imposé à Lyon pour reprendre la tête du championnat. En Espagne, le match le plus attendu par les socios a été éclaboussé par le génie de l'Argentin Messi. Messi donc signe au passage son 500e but tout en narguant Bernabéu dans les arrêts de jeu. 3-2, je sais que vous étiez un homme heureux ce dimanche soir. Un exploit individuel pour égaliser à la 33e minute de jeu. Réduit à 10 après l'expulsion de Ramos, à 10 minutes de la fin, le Real s'est accroché et revenu à 2 partout grâce à James Rodriguez. Mais au bout des arrêts de jeu, Messi, irrésistible, a donné la victoire aux siens et permis au Barça de reprendre la tête de la Liga. Défait 3-1 par l'OL à domicile, à l'aller, Monaco a pris sa revanche. Ses attaquants Falcao et Mbappé ont encore marqué, le Colombien en est d'ailleurs à 19 buts en Ligue 1. Lucas Touzard a bien redonné un peu d'espoir au Gone en début de deuxième période, mais il s'incline finalement 2-1. La Juventus se rapproche un peu plus d'un nouveau Scudetto. Les Turinois n'ont pas tremblé face au Genoa, victoire 4-0. Après l'ouverture du score de Munoz contre son camp, c'est Dybala qui marque le deuxième but de la Juve, puis 3-0 à la pause pour la formation de Massimiliano Allegri grâce à Mandzukic. Le quatrième but splendide est signé Leonardo Bonucci. Le Genoa, qui n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses 17 derniers matchs, n'a pas pesé bien lourd. En Angleterre, N'Golo Kanté, joueur de l'année. Côté pelouse, Crystal Palace a surpris Liverpool 2-1. Manu n'a pas tremblé à Burnley. Arsenal s'ouvre les portes de la finale de la FA Cup aux dépens de Man City. Arsenal peut encore gagner un titre en fin de saison. Dans la compétition fétiche d'Arsène Wenger, les Gunners sont pourtant été dominés une grande partie du match et menés par City après ce but d'Aguero devant des défenseurs aux abonnés absents. Mais 10 minutes plus tard, à la 71e, Montréal réagit à l'orgueil et surgit au deuxième poteau. Prolongation.
101e minute, Koscielny est à la déviation. Sanchez s'arrache pour offrir une finale aux siens. Un derby face à Chelsea le 27 mai prochain. Christian Benteke et Crystal Palace ont joué un mauvais tour à Liverpool. Ce sont pourtant les Reds qui ouvrent le score dès la 24e minute grâce à Coutinho sur coup franc. Mais derrière, Benteke égalise juste avant la pause avant de s'offrir un doublé face à son ancien club à un quart d'heure de la fin. Crystal Palace s'impose 2-1 en Anfield et fait un pas de plus vers le maintien. De son côté, Liverpool 3e voit Manchester United revenir à 3 points. Les Mancuniens qui ont pris le meilleur 2-0 sur Burnley grâce à des buts signés Anthony Martial et Wayne Rooney. En route pour son deuxième titre de champion d'Angleterre d'affilée, N'Golo Kanté a été élu meilleur joueur de première ligue par ses pairs devant Ibrahimovic, Hazard, Lukaku ou Alexis Sanchez. Une performance exceptionnelle et rare puisque le dernier joueur défensif à avoir été couronné était Roy Keane en 2000. Kanté, seulement le 4e français à recevoir ce trophée après Eric Cantona, David Ginola ou Thierry Henry. Un succès qui valait bien quelques mots dans la langue de Shakespeare. C'est un honneur to be chosen by the other players and it's a very special to get this award. On termine ce magazine par le sacre de Marquez au Grand Prix des Amériques, c'est en moto et la 10e de Nadal à Monte Carlo, c'est en tennis. Difficile de trouver les mots, 10 sacres en un même lieu, du jamais vu jusque-là dans l'histoire du tennis. Au cours de cette semaine monégasque, Nadal a été la seule tête d'affiche à la hauteur. Murray, Wawrinka, Djokovic sortis prématurément. Personne n'avait ensuite la moelle pour empêcher l'inévitable. Encore moins en finale, malgré ses qualités de terrien, Ramos Vinolas a subi pendant 1h15 tous les coups de tennis du Mallorquin. À la vue du sourire de son oncle et entraîneur de toujours, Rafael Nadal tient la forme pour un grand printemps sur terre. Il a notamment deux autres décimas à aller chercher à Barcelone, mais surtout à Paris, sur le central de Roland-Garros. Marc Marquez a remporté le Grand Prix des Amériques. Parti en pole position, le pilote Honda a signé une 5e victoire de suite sur le circuit d'Austin, sa première cette saison. L'Espagnol devance Valentino Rossi et son coéquipier Dani Pedrosa. Rossi qui a profité de sa 2e place pour prendre le leadership au classement général. Belle performance du Français Juan Zarco qui a signé une nouvelle 5e place après celle décrochée lors du Grand Prix d'Argentine il y a 2 semaines. C'est sur ce frisson que je prends congé de vous. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite du programme sur notre chaîne nationale.